Debout, debout, là-dedans. Hé, hey, réveille-toi. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Il va nous raconter un truc de dingue. Hein, quoi? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Oh, il a une nouvelle partenaire sexy. Ouais. Ah, il va nous expliquer un tour. Ouais, des salades. Bah, et c'est qui celui-là? Qui? Celui-là, là, c'est qui? Ah, bah lui, c'est le ventriloque. Ah, d'accord. Bon, allez, voyons ça. Je vais vous raconter comment tout cela a débuté. Excusez-moi. Jean-Luc, peut-être qu'on la refasse là. Parce... Ah oui, non, on peut pas, on est plus en répétition. Mes amis, bon, écoutez, imaginez ce bout, métaphore de notre histoire. Voilà. Alors, en même temps, je sais pas trop par où je vais démarrer. Je suis comme cette corde à deux bouts et que... Et encore, parfois, quand je fais juste comme ça, j'en ai quatre, pour vous dire l'angoisse. Ah ! Comme dirait Francis, une corde à quatre bouts ne tient pas plus debout qu'une corde à deux bouts. Je vais vous recommencer depuis le début. Parfait. En réalité, cette histoire est le plus intéressant, c'est la fin. Oui, là, non, la fin. Là, non, la fin, c'est l'autre côté. Oui. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous avez les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais ce que je sais, moi, c'est que j'ai le bon bout, là. Là, le bon bout. Le bon bout, là. Le bon bout, le bon. Oui. Bon, bah, c'est la fête. Attendez. Oula, j'ai l'impression que c'est plutôt une histoire sans fin, ce que je vous raconte. En ces temps difficiles, je vais essayer de joindre les deux bouts. Croyez-moi, il y a du boulot. Attention. Oui. Ah, Merlin serait fier de moi. Ah, j'en doute pas. Enfin, un peu quand même. Bon, du coup, j'ai perdu le fil de l'histoire, moi. Vous aussi? Bon, en tout cas, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que lorsqu'on a un problème, voilà, il ne suffit pas de le mettre de côté dans la poche. Non, il faut tenir droit debout, vent debout. Oui, face. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, le problème attendant à revenir. Bon, écoutez, je ne sais pas si ce que je vous racontais est très intéressant, mais laissez-moi vous raconter cette histoire de cravate. Oui, juste en répétition, là, j'ai voulu me faire beau et voilà, mettre une jolie cravate. Et en fait, en voulant réaliser le nœud, j'ai failli rester... Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à en venir à bout, croyez-moi. Enfin, bon, je suis quand même professionnel. Attention. Oui, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si ce que je vous raconte est très, très intéressant et très utile. Mais en tout cas, il y a une chose que je sais. C'est qu'il est temps de faire place à la magie. Oh, il exagère avec ses confettis. Ouais, toujours les mêmes qui font le ménage. Ah, lamentable.